Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo d'objet sur le magnifique Metroid Prime Hunter. Aujourd'hui, nous allons récupérer une nouvelle réserve d'énergie ainsi que deux réserves de missiles supplémentaires. Vous êtes donc censé atteindre les 35 missiles si je ne me trompe pas et 299 d'énergie. C'est parti, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la planète Alinos, première visite. Voici le vaisseau, vous voyez, je suis tout au début de la zone. Alors le ciel bug, mais ça fait partie des bugs émulateurs, hein, c'est pas réglé pour l'instant, enfin du moins pas à ma connaissance. Vous êtes dans la toute première pièce et plutôt que vous diriger vers la porte, vous allez aller vers la gauche. Alors celle-ci est très voyante hein, et elle est juste là. Vous voyez le petit point blanc à moitié, c'est ici que se trouve la réserve de missiles. Vous avez simplement à vous mettre en boule morphing sur cette petite plateforme, poser deux bombes comme ceci et vous avez, vous voyez en plus un petit piédestal pour la réserve de missiles. Tout simplement, vous ressortez et on va se diriger vers la prochaine réserve. Il s'agit d'une réserve d'énergie cette fois-ci. Alors faites attention, encore une fois je suis à la fin du jeu, donc moi j'ai déjà 100% des objets, j'ai déjà terminé le jeu, et ici du coup il y a quelques boss, enfin sous-boss voilà, qui sont présents comme celui-ci par exemple, qui va pas hésiter à nous embêter alors que nous sommes en pleine vidéo, malheureusement. Donc je vais essayer de l'exploser assez rapidement, l'histoire qu'on soit tranquille. Voilà, nickel. Hop. Une fois ceci fait, vous voilà dans la deuxième pièce, et déjà dans celle-ci, vous avez déjà une réserve d'énergie à choper. Donc ça, ça va vous permettre de bien, bien commencer cette deuxième zone. Donc là, dans le labyrinthe, vous prenez la première à droite, puis la première à gauche. Donc ça vous a fait arriver ici. Non, en fait, je me suis trompé. On va arriver depuis le début du labyrinthe. Vous prenez la première à droite. Normalement ici vous devez activer désactiver la porte en explosant les ennemis à gauche, mais ici pas besoin du coup. Donc là vous prenez tout le temps à droite, et ici vous allez arriver dans ce petit coin bleu, là il y a une porte, donc, qui est désactivée normalement si vous avez explosé tous les ennemis. Et là, en prenant la dernière à droite, vous avez ici votre réserve d'énergie. Enfin ici ou là, enfin dans le coin, normalement c'est juste là, et vous voyez que c'est un cul-de-sac dans tous les cas, donc vous êtes obligé de tomber dessus. Donc voilà, vous avez normalement déjà une réserve d'énergie, une réserve de missiles. Vous prenez l'autre chemin, du coup, en prenant la première à droite et non pas la dernière. Et ici, bon, vous voyez qu'il y a un gardien, je pense que je vais le passer, tout simplement. Comme ceci. Ok, bon, la porte est fermée, je vais être obligé de l'affronter, malheureusement. Et il nous restera juste une réserve de missiles, et elle est dans la toute prochaine salle, donc vraiment aucun problème là-dessus. Donc là, pareil, vous explosez le gardien, ne vous prenez pas trop la tête. Normalement, ça devrait pas être trop long. Voilà, nickel. C'est parfait. On passe à la zone suivante. Alors, normalement, lors de votre toute première visite, les portes là... Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Les champs de force ne sont pas désactivés. Ici, moi, elles le sont. Vous avez juste à prendre toutes les portes d'affilée. En fait, vous allez faire un grand tour. Et normalement, vous allez sortir par ici. Et vous voyez que vous vous retrouvez dans cette grande salle, qui est assez ouverte, hein, vous le voyez. Et vous allez tout simplement monter ce petit escalier qui est juste là. Là, vous voyez, je me tape vraiment plein d'ennemis en même temps. C'est la grosse fiesta. Et vous allez monter ici. Et là, normalement, vous avez un champ de force. Et juste là, entre les deux murs, pile à l'endroit où je me trouve, vous avez la deuxième... Enfin, la troisième réserve de missiles du jeu. Et donc, la deuxième réserve des missiles d'Alinos, première visite. Donc, voilà, vous avez normalement récupéré trois objets, ce qui est relativement pas mal. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, mesdames et messieurs, nous nous disons à tout de suite pour la troisième planète, première visite. On va récupérer pas mal d'objets aussi. À tout de suite.